Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du poisson. Vous êtes peut-être aussi votre ascendant poisson ou votre signe lunaire en poisson. On va découvrir cette guidance pour ce mois de juin. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne. Je vous ai tiré donc une carte du Symbolon, ainsi qu'une carte du tarot du bon karma. On verra, ça va peut-être nous donner des infos, une information ou une énergie, hein. On verra tout ça, ou un état d'esprit peut-être. Ici, trois cartes avec le Dreaming Well Normand, trois cartes pour le sentimental et relationnel. Ici, trois cartes professionnelles. Ici, trois cartes dans le domaine financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir la carte du Symbolon. Oh, magnifique carte. Ici, on a, si je ne me trompe pas, mais oui, ça doit être ça. C'est la carte du silence. On voit cet ange hein, qui porte comme ça son doigt sur les lèvres. Alors, cette carte de silence, en tout cas, moi, ce qu'elle m'inspire, évidemment, ça nous inspire le silence, ça c'est sûr. Le silence est d'or, hein, c'est un petit peu ce qui me vient un petit peu à l'esprit. C'est aussi cette carte qui nous fait un petit peu comprendre que je pense que enfin, je pense que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé. Il y a beaucoup de choses qui ne répondent plus et vous avez l'impression que tout se retourne contre vous ou tout ce que vous tentez ne marche pas. Et puis, il y a aussi cette notion de ne pas arriver à exprimer ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on désire de dire. Alors, c'est peut-être vous qui vous l'empêchez ou c'est une situation qui vous empêche de le faire. Mais il y a encore cette notion de silence qui est quand même importante. Pour moi, cette carte, elle nous invite à faire silence. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de bruit autour de soi et qu'on essaie de réfléchir, on n'arrive pas à se concentrer. Pour moi, c'est vraiment cette notion aussi de travailler un petit peu le silence, de faire silence dans son moi intérieur, pour pouvoir aussi écouter ce que notre petite voix a à nous dire, ce qu'on ressent vraiment. Et aussi cette notion de mettre vraiment son cerveau au repos. Généralement, quand cette carte, elle sort, j'ai remarqué, elle est sortie quelques fois. Non, c'est pas vrai, elle est sortie une fois dans un jeu. Voilà, c'était une semaine où c'était un petit peu compliqué, difficile, avec quelques problématiques qui m'empêchaient de dormir, avec beaucoup, c'est le mental, voilà. C'est une carte qui vient nous dire qu'il y a beaucoup le mental qui nous fait, je dirais presque défaut, qui travaille beaucoup trop. Et on nous invite vraiment à faire silence pour écouter, pour s'écouter, pour écouter un petit peu, alors notre voix intérieure, certes, pour certains ça peut être écouter ses guides, mais aussi de retrouver une certaine paix. Et quand on a le cerveau un petit peu au repos, ben c'est là qu'on a des choses qui nous viennent, des choses qui nous sont inspirés, qui nous sont murmurés, et on arrive plus facilement à faire face à certaines choses, à peut-être à certaines difficultés ou à certaines situations de la vie où c'est peut-être un petit peu compliqué, où on ne trouve pas vraiment comment les résoudre ou de quelle façon aborder une problématique. Voilà, ce silence est important et pour moi, pour ce mois de juin, on vous invite vraiment à le faire pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir retrouver peut-être une certaine sérénité dans certains domaines de votre vie. On va découvrir la carte du tarot, le chevalier d'épée, hein, qui, voilà, le chevalier et cavalier, c'est un peu la même chose. Alors, ce chevalier, il a une énergie d'ambition. Attention, ne vous précipitez pas, ne partez pas sur une situation, un événement, la tête baissée, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. On est un petit peu têtu, on a une opinion un petit peu arrêtée, on est convaincu toujours d'avoir raison. Et parfois, ben, ma foi, si on part un petit peu la tête dans le guidon, eh ben, vous avez qu'à vous retourner, on n'est pas forcément suivi. Donc voilà, essayez d'un petit peu d'exprimer vos idées, d'exprimer un petit peu votre opinion sans obliger les autres à vous suivre. C'est un petit peu cette énergie qui vient un petit peu nous dire ça. Alors c'est peut-être vous, hein, mais pas forcément, ça peut être quelqu'un autour de vous. C'est une personne quand même qui est aussi, si je veux dire ça, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est prêt à relever tous les défis, mais qui a tendance un petit peu à la jouer un petit peu à la leader qui a toujours raison, qui a toujours envie de pas d'obliger, mais d'emporter les gens dans la même direction que lui, et il n'écoute pas en fait ce que les autres ont à lui dire ou à lui proposer. Donc voilà, il faut faire
Vraiment attention à quoi vous ayez. C'est parce que c'est une belle énergie, hein, ce chevalier d'épée, c'est l'énergie créative. Mais si c'est un travail d'équipe, parce que souvent c'est un travail d'équipe avec ce cavalier d'épée, hein, et ben, ça peut être dans un projet professionnel ou dans vos activités ou un projet personnel. Ne vous isolez pas des autres. Essayez de partager et d'écouter. Voilà, d'écouter. Alors ça fait peut-être aussi partie du silence au lieu de se dire, ben voilà, fais silence un petit peu toi et écoute un petit peu les autres. Ce qu'ils ont à te proposer ou ont à te dire. Voilà, c'est un petit peu ces deux grosses énergies pour moi que je ressens pour vous, mes amis du poisson, pour votre mois de juin. Maintenant, on va découvrir dans le cadre sentimental, relationnel. Ici, on a une carte d'homme. Alors, évidemment, si vous êtes en couple, ça peut représenter votre conjoint. Ça peut vous-même vous représenter, hein. Comme je vous l'ai déjà expliqué, comme c'est une guide en général, même si vous êtes une femme et vous regardez cette énergie, ça peut aussi vous représenter ou représenter un homme dans votre entourage. C'est une énergie d'action, hein, cette énergie de l'homme, c'est une énergie yang, hein, on va mettre en place certaines actions. Peut-être que ce mois-ci, au niveau des sentiments et du relationnel, on observe. On est pas mal dans l'observation, en tout cas on vous invite à être dans l'observation avec cette carte du silence, hein, d'observer, pas de partir tête baissée peut-être dans un domaine relationnel ou peut-être par rapport à une histoire, par rapport à une nouvelle relation ou tout simplement si vous êtes en couple aussi de bien observer. Peut-être il y a une situation un petit peu difficile, que ça soit aussi au niveau simplement relationnel, hein. Voilà, il y a cette note d'observer, de faire peut-être d'écouter ce qui se passe, mais pas seulement d'écouter avec ses oreilles, de regarder un petit peu, ou d'écouter aussi les silences, hein, si c'est bien possible, de votre partenaire ou de votre conjoint ou peut-être même d'une personne avec qui vous êtes lié ou plus lié sentimentalement ou relationnellement, d'écouter un petit peu ce silence. Pourquoi ce silence est là? Voilà, tout simplement. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc voilà, on nous parle un petit peu de liaison, on est lié, si vous êtes en couple, ben voilà, ici on a l'homme qui est cette énergie masculine, ici on nous parle d'union, on nous parle peut-être de relation. Alors si vous êtes en relation, c'est peut-être justement monsieur qui est peut-être dans un état un petit peu, dans un état qui observe ou qui passe plutôt plus à l'action que vous. On a peut-être une notion ici de se lier encore plus à quelqu'un, hein, c'est bien possible. Peut-être que votre relation est naissante ou est récente et on a vraiment cette notion de vraiment être de plus en plus lié, d'être plus en plus attaché, hein. Y a vraiment cette notion-là pour certaines personnes. Ici, pour les célibataires, il peut tout à fait être possible que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous venez de rencontrer quelqu'un et que très vite vous allez vous sentir lié à cette personne. Il y a des liens qui vont se créer, alors peut-être pas tout de suite amoureux, mais il y a vraiment des sentiments, il y a quelque chose qui se passe pour vous qui êtes peut-être au tout début d'une histoire ou un célibataire, ou vous êtes célibataire, il y a peut-être une notion de quelqu'un qui vous observe, tout simplement, qui est en train de se dire, ben, dis donc, voilà, qui vous trouve sympa ou qui est peut-être attiré par vous, ça c'est aussi bien possible. Et ici, on a la carte du chien, c'est une carte de fidélité, une carte de soutien, c'est la carte de l'amitié. Alors peut-être que vous allez soutenir un ami, vous allez peut-être soutenir, ou un ami va vous soutenir, ou il y a quelqu'un dans votre entourage amical, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui est en train de vous observer, qui est en train de se dire, bah voilà, j'aimerais bien peut-être aller un petit peu plus loin avec vous, avec, voilà. Il y a aussi cette notion de soutien par rapport aussi dans le couple, peut-être que vous avez, vous traversez peut-être une période un petit peu difficile, mais pas par rapport forcément à votre couple, mais par rapport à une situation extérieure à votre couple. Et là, on voit qu'on a le soutien de son conjoint ou de sa conjointe, hein. On a vraiment cette notion de soutien dans le couple, d'être lié, d'être soudé, d'être fidèle au poste un petit peu, quoi que vous ayez comme situation, comme difficulté que vous traversez au sein de votre couple ou dans vos relations, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des relations familiales ici qui vont se consolider ou peut-être qu'on a besoin de soutien justement par rapport à une problématique dans vos relations. On a peut-être besoin du soutien de ses amis ou de son cercle familial. On a besoin de conseils, on a besoin d'être guidé par rapport à une problématique. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu
Ici, dans le domaine professionnel, alors ici, ben voilà, on nous parle d'un établissement, on nous parle d'un bâtiment, ça peut représenter votre endroit où vous travaillez, votre entreprise, ou si vous êtes indépendant, votre entreprise, hein, on a cette notion un petit peu de s'élever, de progresser, peut-être que dans votre domaine professionnel ou dans votre entreprise, il y a une certaine progression, ou il y a une progression qui s'amorce ici pour ce mois de juin. Maintenant, on va voir les autres cartes. Ici, on a une notion de déplacement hein, avec ce vaisseau. On a peut-être aussi, peut-être que certaines personnes vont faire un peu plus de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail. On a aussi cette notion peut-être aussi de travailler un petit peu avec l'étranger, hein, si vous êtes vous-même votre boss de votre entreprise. Entreprise, pardon, on peut c'est aussi peut-être avoir des contacts à l'étranger où vous devez peut-être vous déplacer, mais même pas peut-être dans l'étranger, mais forcément peut-être dans plus loin, dans plusieurs départements. On a cette notion de déplacement, peut-être d'aller un petit peu démarcher, faire des démarchages pour pouvoir peut-être agrandir un petit peu la clientèle de votre entreprise. Ou alors, il y a peut-être certaines personnes aussi qui prennent de la distance par rapport à l'ambiance un petit peu... de votre entreprise, on voit qu'il y a aussi une petite, moi, enfin, en tout cas, je ressens un petit peu une notion de prendre un petit peu de recul, peut-être que l'ambiance n'est pas extraordinaire et un petit peu pour vous protéger, peut-être, il faut un petit peu prendre de recul, en tout cas, on vous y invite. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Ici, on a une notion de nuages. Les nuages, donc, c'est un petit peu les difficultés, mais passagères. Hein. C'est quelque chose de passager. Peut-être que on a une notion ici, peut-être que des déplacements vous seront un petit peu pénibles. On a aussi une notion de cette ambiance qui est peut-être un peu lourde au sein de votre entreprise, en tout cas là où vous travaillez. Et on vous invite vraiment à prendre un petit peu de distance pour vous protéger. Et puis aussi, éventuellement, de peut-être avec cette ambiance un petit peu lourde, peut-être que vous allez faire des démarches un petit peu pour peut-être regarder ailleurs, si vous trouverez peut-être un autre job ou voilà. Il y a vraiment cette notion un petit peu de prendre un petit peu de recul avec cette ambiance un petit peu lourde, un petit peu une ambiance un petit peu difficile, et puis cette notion de peut-être prendre un peu plus la route que d'habitude, ne serait-ce que peut-être dans votre métier vous êtes amené à faire des déplacements et peut-être que vous irez un petit peu plus loin que d'habitude ou voire même partir un petit peu à l'étranger. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies dans votre domaine financier. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup de contacts. Alors peut-être au niveau peut-être d'un investissement financier, il y a beaucoup de sorties. Donc qui dit sortie, dit dépenses aussi. Hein. La carte du jardin, ce sont les cartes des sorties. Ce sont aussi c'est aussi la carte justement d'un entourage amical, familial. On voit qu'il y aura peut-être des dépenses à faire par rapport à ça, des invitations à des mariages, à des baptêmes. Enfin voilà, il y a une notion aussi un petit peu de sortir, de dépenser. Il y a aussi une notion peut-être d'embellir un petit peu son extérieur, son jardin. On investit peut-être quelques euros ou plus pour peut-être embellir votre extérieur parce que vous aimez, parce qu'on achète des plantes, parce qu'on a envie de faire autour de chez soi quelque chose de sympa. Mais il y a une notion aussi de dépenses par rapport à des sorties. À mon avis, là, comme je le ressens, faites attention. J'ai une notion justement de faire attention à vos dépenses par rapport à vos sorties, parce que les sorties, ça coûte vite cher. N'allez pas mettre un petit peu en déséquilibre votre budget. Où il y a aussi cette notion, peut-être, comme je disais tout à l'heure, d'investissement peut-être immobilier. Et il y a des choses qui bougent. Vous allez peut-être aller prospecter pour pouvoir acheter peut-être quelque chose, un appartement, une maison, enfin voilà quoi. Ouais, ben voyez, quand je parle d'aller, ici on a une carte de nouvelle, de déplacement avec ce cavalier. Vous allez beaucoup sortir, peut-être sortir d'un périmètre, peut-être sortir avec des amis. On va beaucoup sortir, on va beaucoup bouger. On a envie, hein, après toutes ces mois de restrictions, hein, ça c'est tout à fait normal. On a envie d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. Donc on va faire pas mal de sorties sur ce mois de juin. Donc attention à vos dépenses. Moi je le ressens un petit peu comme ça. C'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on me dit dans l'oreillette, mais voilà, faites attention, ne mettez pas en péril votre budget, je le ressens vraiment. Mais bon, c'est agréable, ce sont des sorties agréables, des dépenses à faire, comme je vous le disais, pour des sorties, pour des invitations, pour des cadeaux, enfin voilà, il y a cette notion-là. Et ben voilà, vous voyez, je crois que mon ressenti est assez bon. Ici, on a cette carte de la Vierge qui vient nous rappeler, mais attention, attention,
réfléchis bien. Alors, si c'est un investissement immobilier, on nous dit vraiment de bien réfléchir, de bien calculer. Bon, après, il y a des banques, hein, y a les banques, le boîte banquier va aussi vous dire si vous pouvez ou vous ne pouvez pas vous lancer dans une entreprise au niveau financier, dans un achat immobilier qui est peut-être plus important que ce que vous pouvez. Ou alors, c'est vraiment cette notion de faire attention à vos sorties, de faire attention. Ici, on nous dit qu'il y aura beaucoup aussi de dépenses par rapport à vos sorties. Donc, faites attention. Ici, c'est vraiment la carte où on tape sur les doigts, vous voyez, de leur dire ben, attention à tes dépenses. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là de ce mois de juin qu'il y aura beaucoup de dépenses. Pour des choses sympas, hein, ça je dis pas, mais peut-être un petit peu de tenir un petit peu les comptes un peu plus que d'habitude, car ce mois juin va être un peu dépensier. Voilà. Alors, si je résume un petit peu, on a cette carte du Symbolon qui nous parle de silence, de faire silence, d'écouter le silence, d'écouter votre silence à vous, votre moi intérieur, ce qu'il a à dire, d'écouter un petit peu le silence aussi parfois de l'autre ou de quelqu'un d'autre, hein, après à vous adapter votre situation. Ici, on nous dit aussi que de mettre un petit peu, peut-être que certains poissons ont perdu un petit peu le sommeil. Quand cette carte, elle sort, elle nous dit qu'on a le mental qui travaille beaucoup trop, même intensément, de mettre un petit peu son mental au repos, de mettre son cerveau au repos pour pouvoir un petit peu se régénérer, recharger un petit peu les batteries et avoir un esprit beaucoup plus clair. Parce que quand on dort pas, qu'on est un petit peu agacé ou qu'on est un petit peu, on a des problématiques qui nous taraudent ou simplement parce qu'on est surmené, parce qu'on est fatigué, hein, c'est aussi ça. Et ben, on a cette notion d'esprit qui n'est pas clair et on a vraiment besoin. Pour moi, certains poissons ont traversé ou traversent encore des difficultés ou des problématiques où on a des choses qui nous répondent plus, qui nous répondent plus positivement. On a des, voilà, on a vraiment des choses qui nous échappent. On comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. On est un petit peu dans ce mode de dire, mais quoi que j'entreprenne, ça foire, mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a cette notion de vraiment vous mettre sous silence, vous, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre votre cerveau un petit peu au repos pour retrouver un petit peu un sommeil, un équilibre intérieur et extérieur beaucoup plus sain. Ici, on a ce chevalier d'épée qui nous parle, lui, donc d'ambition, de précipitation. Là, on vous met un petit peu, on vous apporte le conseil de pas trop vous précipiter, de pas non plus partir tête baissée et puis de regarder derrière soi, puis qu'il y a personne qui vous suit parce que vous partez dans un truc tête baissée sans réfléchir, sans écouter l'avis des autres. Ce chevalier d'épée, outre le fait qu'il peut vous représenter vous, hein, dans cette énergie-là, elle peut aussi représenter trois signes d'air, hein, c'est-à-dire cette personne peut être représentée si elle est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est une énergie de boule de feu. C'est, je pense, quelqu'un, si ça fait partie de votre entourage, qui est très fort et très dominant. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez foncer avec ou il vous écrasera un petit peu. C'est un petit peu ça. Ça m'est venu un petit peu, voilà. Et puis ici, on a cette notion dans le sentimental où on aura besoin de l'aide, où c'est nous qu'on va apporter le soutien à une personne vis-à-vis peut-être d'un homme. Voilà, il y a une relation avec un homme. Il y a un homme qui vous observe. Il y a un homme peut-être mal. Alors peut-être c'est un homme qui est déjà pris, hein, ça c'est à vous de voir. C'est un homme qui vous regarde un petit peu, qui vous observe. On vous invite aussi à faire un petit peu d'observation, alors peut-être par rapport à votre couple ou par rapport à une histoire que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, et de vraiment d'observer, d'écouter ce que l'autre a à dire. Ici on a le soutien de votre conjoint, de votre conjointe, dans votre couple, si vous êtes en couple. Ici, on a aussi besoin de soutien par rapport à une problématique peut-être liée à peut-être un problème de relationnel avec la famille ou avec des amis. Voilà, il y a vraiment cette notion d'observer, d'écouter. C'est une énergie aussi d'action, hein. C'est cette énergie yang qui est représentée par l'homme. Ici, on a cette notion de quelque chose de lourd dans votre entourage professionnel. On a des déplacements à faire, des déplacements peut-être qui vous coûtent un petit peu au niveau du temps, au niveau du stress, de l'énergie. On a aussi cette notion de pouvoir un petit peu de prendre de recul par rapport à cette ambiance lourde. On a peut-être aussi des gens qui sont à leur compte, qui vont devoir faire peut-être plus de déplacements que d'habitude et ça leur pèse un petit peu. Voilà, c'est un petit peu ça.
On a aussi cette notion de faire des déplacements peut-être hors de votre département, voire même à l'étranger. Ici, on a cette notion de dépenses. En gros, dans votre domaine financier et bien matériel, attention, vous avez beaucoup de dépenses par rapport à des sorties, par rapport à des invitations, par rapport à des cadeaux. Enfin voilà, on vous invite à faire attention ici avec cette verge, de pas vous mettre en péril votre budget et votre aspect financier. Si vous avez aussi un investissement immobilier à faire, on vous invite vraiment à aller consulter peut-être des organismes financiers pour pouvoir vous aiguiller et vous conseiller au mieux pour pas que vous vous mettiez en danger dans votre domaine financier. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.